Et tu souffles en plus. Ah, bien fait ta gueule. Voilà. Maman, c'est Dricia, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bon, ça va hyper bien. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas posté, mais en même temps, j'avais besoin de respirer. Il y a des périodes où j'ai envie, il y en a d'autres où j'ai pas envie. Oh, on s'en fout. Là, on va faire le prank, maman. Faut dire, faut faire le prank. Oui, on va faire le prank. Alors, du coup, là, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas vu le titre de cette vidéo, on va prank la mère à l'idée. Du coup, là, on a préparé à manger. L'idée est au courant. Voilà, alors du coup, on a préparé à manger. La mère à l'idée, elle va venir, elle va s'installer à table. Et là, je vais commencer à super mal te parler. Genre, je vais parler hyper mal. Après, je sais même pas comment je vais réagir parce que autant je vais être super mal à l'aise et je vais pas réussir, autant la vidéo, c'est un vrai gâchis. On va attendre qu'elle arrive tranquillement. On va prendre la petite table tranquillement. Voilà. Ma mère, elle s'en fout. En parlant de ça, ta mère est arrivée. Dépêche-toi. Attends, mais je arrête de stresser là. L'idée, ta mère, elle est là. Arrête. Et bonjour. Allez. Vous allez bien? Ça va, Michel? Ça va et vous? Eh ben. Il fait chaud? On a préparé à manger, hein? Coucou! Oh, super! Ça va, Michel? Ça va et vous? Eh ben. Coucou! De toute façon, je vais vous brûler, c'est pour moi. Ça va, mon fils? Bon, Olivier, fais quelque chose, là, c'est bon. Oui. C'est bon à vous, hein? Ah oui, bon, ok. Alors, comment s'est passé ces vacances, là? Ben super. Bon les gars, je vous passe les discussions privées avec la maman de l'idée. On passe directement au prank, sinon c'est beaucoup trop long. Je lui donne une assiette sale. Une assiette sale, l'idée. À ta mère. Mais j'ai pas vu. Oh mais c'est pas grave, il est sur la mode. Non, bah non. Non, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Mais tu vas te calmer toi, j'ai pas vu. Non, pas comme ça, ça va déparier. Idée. C'est pas les mêmes que nous. Ah ben c'est pas grave, pour le tas, là. Ouh, voilà, oh. Les jeunes, là. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je mélange des pâtes pour le jeu. L'idée, tu vois bien qu'elles sont déjà assez mélangées. Mais qu'est-ce que vous avez à vous parler comme ça là, tous les deux? Non, je vous avoue que je suis très énervée ces temps-ci parce que c'est littéralement tout de travers depuis quelques jours et il me gonfle. Ah, et alors quand même. Vous en avez. Merci, c'est gentil, merci. Vous voulez pas, tu veux voir quoi? Ah, merci de me proposer. Ah non, vas-y, ah bah oui. S'il te plaît. Alors, à part ça, bah, écoute, vous disputez et de vous chamailler ou... On se dispute pas. Vous montez le son là. Mais non, mais c'est vrai. Vous mettez la pression là. Comment ça, c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je mets la fête sur les gens? Depuis là, je parle pas. Non, mais c'est toi qui fais strictement rien là depuis 5 jours au moins. Mais c'est si je fais des choses. Non, tu fais quoi? Vas-y, tu fais quoi? C'est ça, viens boire, regarde, tiens. Je m'énerve. T'es en train de me gonfler. Elle est bête. Voilà, je dois te rappeler ça là. Tu es toujours comme ça? Oui. Il est toujours comme ça. Hein? J'ai l'impression que c'est un peu les deux quand même. Hein? Non? Non. Je sais que c'est un peu les deux, moi. Non. J'ai peut-être pas mis assez de pâte. Hein? T'as pas, mis assez de pâte. C'est la chaleur qui vous... Oui, c'est la chaleur qui doit lui monter à la tête, oui. Ah. Tu peux couper le poulet Mais tu peux le couper, non? Je sais pas couper un poulet. Tu sais pas couper un poulet, Lily? Non, je sais pas couper. Tu te fous de la gueule du monde, là, tu sais pas couper un poulet. Ah, j'ai une cloque. Hein. Regarde. Et je m'en fous de ta tête. C'est grave ou pas ça? Ah oui. Ah bah tu t'es boulé hein. Tu peux couper le poulet. L'idée, coupe-le ton poulet tout seul. T'es un grand garçon, tu sais couper un poulet. Tu l'as déjà fait, arrête de faire le miskin devant ta mère là. T'es en train de me gaver, vraiment. Arrête de crier, s'il te plaît. Je te jure, l'idée, toi et moi, ça va partir en couille. On va se quitter bêtement devant ta mère. Quoi? T'as vu comment elle me parle tous les jours? Toujours pareil. Oui, oui, c'est toujours pareil. Le problème, c'est toujours les autres. C'est jamais toi dans la vie. Je suis une victime, maman. Oui, t'es une grosse victime. SOS maltraitance, s'il vous plaît. Bien sûr. On va appeler un vétérinaire, ils vont venir te chercher. Pourquoi un vétérinaire? Moi? Pourquoi un vétérinaire quand t'es chien? Parce que t'es un chien de la casse. Ouais, c'est ça. Voilà. T'es content? Tu le sais? C'est du gros sel. Ça va être Camargue. C'est la fleur de sel. Ouais. Couteau, pour couper le poulet. Parce qu'elle va pas le faire, bien sûr. Non, tu peux le faire. Merde.
peut faire tout seul, c'est des bons garçons. Il est où le sel? Tu veux du blanc, toi? Non, merci. Je vais prendre celui-ci. Ouais, tu prends du blanc, toi, maman. À tes doigts. J'ai un petit morceau de blanc. Comment je le coupe, là? T'as failli tuer ta mère? J'ai dit, arrête tes doigts. Je sais pas couper le poulet, c'est bon, ça. Non, mais l'idée, c'est hyper dangereux, là, ce que tu viens de faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. De quoi c'est bon? T'as failli déchiqueter ta main, là? Qu'est-ce que tu fais? Ah, de crier, ça bouge ma tête, là. J'ai vraiment ma tête, là. L'idée, je te jure, reste tranquille. Voilà, très fort. Et tu souffles en plus? Ah, j'ai coupé. Bien fait, ta gueule. Voilà, bien fait. Bien fait. Tu t'es coupé? Ouais. Bien fait. Et oui, il faut ne pas gêner. Elle me stresse aussi, elle. Et là, tu me remets la faute dessus encore? C'est à moi de tomber la faute dessus? Tais-toi, c'est terrible. Tu me fous la honte devant ma mère là. C'est bon, stop. Je te fous la honte devant ta mère? C'est bon, c'est pas là. C'est toi qui parles mal depuis le début, mais c'est moi qui fous la honte à ta... devant ta mère? Elle est infectable. Attendez. Il y a un de plage, je te jure, démerde-toi avec ton doigt tout coupé là. Il y a un de plage, j'en ai coupé là. C'est trop mal. Trouve le tout seul ton désinfectant, déjà tu changes pas la maison, hein. Oui, tu vas pas le trouver. Putain, t'as pas du désinfectant? Non, pas pour toi. Tiens, je dis coupe le poulet, j'ai pas coupé le poulet, moi je fais pas là. Hé, me gueule pas dessus là. Arrête le couteau, il y a du sang dessus. Me gueule vraiment pas dessus, Lydia. Non mais sérieux là. Le poulet comme ça, c'est pas le fait, c'est un gros. Mais j'ai dit qu'il va s'ouvrir en ouvrant un poulet, s'il te plaît. Pourquoi tu parles de moi là? C'est qui a ouvert un poulet qui s'est ouvert quand même, mon gueule? C'est toi. Désinfectant, il est où? Y'en a pas, désinfectant. Je vais rester comme ça là, ouvert. Oui, bah reste comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Perds ton sang, au passage, ce sera du bien. Tu peux couper le poulet, non, s'il te plaît? Non, non, tu me fais. Mais c'est bon, t'as me coupé, arrête, moi, je t'amuse. Je le fais. Non, Carole, ah, c'est assez bon. Je vais la faire. Ah oui, je vais me couper, c'est bon, tiens. Mets le poulet sur la plage, avec. Arrête, l'idée, t'es en train de... Je viens de... T'es en train de me casser les couilles. Je viens de me couper, Tricia. Mais y'a pas de je viens de me couper, je sais pas couper un poulet, tu veux que je te dise quoi? Bah non, non, calme-toi, Tricia. Non, sérieux, non, mais là, t'es en train vraiment de me casser les couilles, l'idée. Mais tu me crois pas, moi? Arrête de dire ça. Ah, stop, là. C'est toi, tu parles mal comme ça. Arrête, t'as ta bonne main là-bas. Va manger là-bas, va manger avec ta mère, s'il te plaît. Non, je reste là, c'est moi qui bouge. Mais alors pourquoi ce sera moi de bouger? C'est toi, tu dis de la merde là. C'est toi, tu dis bonnie, je fais pas. Les deux là, on stop. Moi je vais plus rien faire pour ta gueule, ça va faire tout droit là. Moi je te le dis direct. Stop, Tricia, stop. Non, mais calmez votre fille. Stop. Parce que je vous jure, je vais m'énerver. Stop là. Se calme. Mais ça va pas, non? Regardez-moi tous les deux, mais ça va pas? Vous savez, c'est pas mal. On m'a dit qu'il y a mon téléphone, je me je vais manger la talenta et vous me faites une crise, là. Je vois jamais ma mère, tu me fais ça, pas tout seul, justement. T'inquiète. Bah bonjour le repas, hein. Ouh. Pas possible, ça. Qu'est-ce qui nous arrive, là? Il va faire le mec, mais il va... Ça m'a noisé, s'il te plaît. Stop! On va pas y arriver à manger. La table, c'est un dépotoir. La faute à qui? Toi, t'es violente, hein? Hein? Pour ça, je te parle plus. Ouais, c'est ça, parle plus avec moi. Parle plus toi. Ah mais tu vas... tu vas péter la bouteille Oh là là. Ouh. Eh ben bonjour, hein. Béné. On va avoir au repas. Ah mais je ne viendrai plus, moi, hein. Non. Je te remercie, ma fille. Allez. Je pense que c'est tous les deux, hein. Je ne veux pas mettre... Je donne jamais raison à mes enfants.
Mais là, c'est tous les deux quand même. Non, je fais ça un peu. Fais dessert. Eh ? C'est quoi, c'est moi ? Tu l'as vu ? Bien, je récule. Ok, bon, attends, c'est bon, l'idée, je t'aime parce que je fais que. Oh, mais ça va, ok. Elle t'a allumé la caméra. Par contre, c'est vrai, il me prend vraiment pour une boniche. Je fais à manger, je lui ramène à l'ordinateur, il joue comme ça toute la journée. Ça, il me gonfle. Mais vous inquiétez pas. Oh, oh maman. Oh là, bah, il est bien un câlin. Oh, j'étais pas trop mal à l'aise. C'est moi, après, je pleure, regarde. Mais pleure pas, moi. Oh, tu pleures. Parce que quoi? Vous le savez. Mais non. J'avais pas que vous discutiez, quand même. C'est pas mais de vous voir vous disputer comme ça, tu crois que c'est... c'est le plus grand fan. On se dispute pas comme ça. Hein. Alors, j'espère, hein. Oh, ça fait je sais pas combien de temps depuis que ta mère, on lui fait ça. Non, boucheur. Oh, ouais, non, ça se fait pas. Ça se fait pas, les gars. Du coup, on s'excuse. Excusez-nous, Carole. Voilà. C'est pas grave, vous êtes excusés. Oh, je me cachais le visage comme ça, je rigolais.